Mbalo Diatcham, président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé Sud-ETM, Ande Gessam. Bon, nous sommes venus à Mban sur l'invitation de nos camarades de Mban et de l'Union régionale Sud-SAS de Saint-Louis, pour ne pas dire l'Union régionale Ande Gessam de Saint-Louis, conduite par le camarade secrétaire général Abdou Ngom. Donc, nous étions venus dans une réunion d'information et de mobilisation. Information et mobilisation, parce que vous n'êtes pas sans savoir que Ande Gessam a décliné un plan d'action qui a débuté par une marche nationale le 30 mars à Thiès, une marche largement suivie. Et le deuxième jalon de ce plan d'action était ce sitting national du 10 avril de 10h à 13h, sitting avec le respect des urgences et du service minimum, sitting aussi largement suivi au plan national. Nous sommes donc venus pour dire aux camarades ce qu'on a fait avec le gouvernement et les promesses aussi que le gouvernement a faites relativement à cette plateforme revendicative de notre alliance. Vous n'êtes pas aussi sans savoir, et ce qu'on a dit aussi aux camarades, qu'à la rencontre du 10 avril 2018 à la primature, Monsieur le Premier ministre aussi a pris de nouveaux engagements, à savoir faire partager le décret portant création de nouveaux corps dans la fonction publique, le décret aussi devant majorer de 20% les heures supplémentaires, tout comme aussi les autres questions concernant le paiement intégral des arriérés de salaire au personnel contractuel de la JICA et du plan COBRA, tout comme aussi le fonds de motivation nationale qu'il fallait payer, les dettes de la CMU, la première tranche de la subvention annuelle aux hôpitaux et le fonds de motivation nationale, si je ne l'ai pas oublié. Bon, tout compte fait aussi, nous avons fait comprendre au gouvernement que c'est lui qui nous avait dit de ne pas engager la discussion sur le régime indemnitaire parce qu'il allait nous proposer un régime indemnitaire plus pertinent et plus juste, parce que le précédent régime avait déréglé tout le régime indemnitaire. Donc nous n'avons pas compris, disons, la mesure prise par le gouvernement de rallonger la retraite, l'âge de la retraite de 100 à 105 ans pour une catégorie de personnes, alors que nous avions l'accord en 2014 déjà. Et il fallait même discriminer la santé de manière positive sur la question de l'allongement de la retraite. Et nous le répétons aussi, la retraite doit être engagée sous un angle structurel et, disons, holistique, et non dans un cadre, conjoncturel et sectoriel, pour ne pas dire catégoriel. Parce qu'il s'agit du Fonds national de la retraite, qui est menacé par la baisse du bassin de cotisants. Et aussi, dans la même veine, c'est cela aussi sur lequel nous sommes en train de nous battre, sur le régime indemnitaire, l'indemnité de logement, et surtout l'inclusion de l'indemnité de risque dans la liquidation de la pension de retraite après l'avoir portée à 100 000 francs. Nous avons dit aussi au gouvernement que l'indemnité d'itinérant, depuis les années 85 à nos jours, 15 000 francs seulement, c'est du franc dévalué qu'il fallait porter à 50 000. Nous insistons aussi sur l'indemnité de suggestion qu'il faut porter aussi à un autre niveau, et tout comme aussi les autres questions concernant l'âge, l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans, parce que nous le méritons avec, disons, l'ensemble du secteur, parce que nous ne sommes pas dans un ministère de la médecine, nous sommes dans un ministère de la santé et de l'action sociale. Et sous ce rapport, nos camarades aussi travers sociaux, quand ils intègrent les nouveaux corps, ils perdent jusqu'à 180 000 francs de leur salaire parce qu'ils ont intégré un nouveau statut. Donc nous pensons que nous n'avons aucune perspective que de connaître les plans d'action pour que le gouvernement ouvre des négociations sérieuses sur le régime indemnitaire et qu'il puisse allonger l'âge de la retraite à plus travers. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude du Premier ministre et quelles sont les dernières décisions prises justement s'agissant de cette lutte? Bon, le Premier ministre nous a renvoyé à d'autres plateformes parce que, évidemment, il s'est rendu compte que la primature n'était pas un lieu de négociation, mais un lieu de facilitation
pour ne pas dire un lieu d'arbitrage, et il nous envoie à d'autres plateformes. L'autre plateforme, c'est certainement avec le ministre de la fonction publique. Et nous attendons aussi le ministre de la fonction publique pour engager ces négociations, parce que la balle lui a été renvoyée sur le régime NMTR et sur l'allongement de l'âge de la retraite à 65 ans. Quelles sont les dernières décisions s'agissant du mouvement des grèves et autres ? La dernière décision, c'est que la grève qu'on avait envisagé de faire le 17 avril a été différée à cause de l'appel de Sidi Limamoulaye. Et d'ailleurs, on a l'habitude de procéder à une couverture médicale. Non seulement nous allons couvrir la cérémonie, mais nous avons décalé la grève de 24 heures pour l'engager le mercredi 18 avril. Donc, dans une perspective de respect des urgences et du service minimum, si le gouvernement ne réagissait pas, nous avons en vue une grève le mardi qui suivra et le mercredi aussi qui suivra, 24 et 25 respectivement, avec le respect des urgences et du service minimum. Si maintenant, malgré tout, le gouvernement n'arrivait pas à ouvrir des négociations sérieuses sur le régime NMTR et sur les autres questions, donc qu'on a abordé tout à l'heure, nous allons procéder à la rétention de l'information sanitaire et sociale. Voilà en gros le menu. Et au passage aussi, les camarades de Mban, de Dagana et même de Saint-Louis ont évoqué donc des problèmes liés à la vie de leurs structures respectives. Et nous pensons que le camarade Ndeki fera l'économie, disons, de ces préoccupations-là, que le BEN prend en charge après le relais de l'Union régionale de Saint-Louis. L'Union Mban, moi, est section Dagana, suffit Mban, la fenêtre section Bonhameni, devenu invité parce que nous avons jogat sen bop organisé au bar takou fassiyena bok ci xex yi fi am yep ba tax nak bu ñuy wowe Union régionale Saint-Louis bi nga xamni Abdou Mbom moko jité laaj ñu dal ñu ñew wacc ci fi def manam réunion pour wax leen xabar yi mujju ak syndicat bi fu mu tollu ak fa lañ wara jëm ndax té dafa am ay xex yo xamni deugmal nañ ko. Li ci am solo nak moy waxtane nañu comme niñ ko waxé ci assemblée générale de mobilisation et d'information, né nañ len fuñu tolok gouvernement bi parce que fan yi passé manam fukki fan ci wéru avril premier ministre wowo nañu ci ben ndaje andaje mom nak bu mu wowe set nañu liñu waxtane won ci fukki fan ak ñet ci wéru février fa lañ ci tollu won décret bi nga xamni nak mom mo indi affaireu corps yu bess ñu wara créer ci fonction publique ak décret bi nga xamni heure supplémentaire yi la ak yeneen question yi nga xamni affaireu INDSS la concerné yoyu waxtane nañ ko joxé na aussi ay instructions yu leer rax ci doli tamit payeuru contractuel yi yu plan cobra ak yu plan jika néna danañ leen ko fay lu mu gëna gaaw danañu fay fonds de motivation première tranche 2018 bu subvention hôpital yi dina ko fay dina fay aussi boru semi bi loolu la jël ko engagement néwon na adjuma ak altiné bi di ñew loolu yëpp danañ ko fétalé bor ba wa jika yi danañ leen gënal 4 milliards 968 millions pour que fiek admi di dé doti ñu waxati salaire jika ak salaire cobra loolu moko waxal bopam wante ñun aussi nenañ ko ni salaire jika yi ak yoy yep nek na luñu soxal ak li nga mujjo wax wante yow da nga def lu nga xamni ñun daf ñoo jaxal parce que da nga commencer négociation nga jël ben catégorie ci ñun dox leen indemnité bu bess ba paré yokal leen atour à la traité yi jëlé ko juroom ben fukki at ba juroom bu fek juroom ben fukki at ak juroom té accord bobu ñun amon nañ ko ak gouvernement bi en 2014 mënuñu comprendre pourquoi nga d'accord ak ñun defaloñ ko nga diko defal leneen nga créer leen indemnité bu bess té ya ñu do wax ci régime indemnitaire bi tant que paré wulo étude bi paré na bu yag bañu partager ko dara ñewul donc dafa melni dañu tan ñi defal seen affaire dal di bay ñeneen ñi lool nak nangu wuñ ko mo waral nak xex bi di wara continuer parce que préavis de grève bi dañ ñewon ñu appliquer accordu 2014 yi moy ponk bu ñëk bi benen ponk bu mujj bi moy ubi ay négociations yu bess yu sérieuses ci régime indemnitaire bi parce que régime indemnitaire bi xam nga ko
indemnité de risque 50 000 francs là bobu légui avancé wul depuis 2004 dañ ko comporté avancé wul yokul té dañ for dañ ko wara yok yobou ko ñaar fukk juni ba paré bolé ko ci sa pension retraite lolou lañ ko wax indemnité d'itinérance ñepp xam nañ ni 15 000 francs la ñetti juni té pourtant indicateur santé yépp itinérant yi ñokoy yëkëti la plupart ñetti juni la depuis 1984 ba légui indemnité de suggestion yokul ñu ne ko nak question yoyu ak indemnité de logement dañ ci wara wax am mom nak neena mom munu ci wax ci jotaay bobu lay waye mi ngi wax nañ ko dañ ko waxtaan ak yeneen jotaay lolou mo waral nak ñu wara continuer suñu xex bi ah ni ñi ko ne xex bi nak yombuna parce que commencé won nañ plan d'action ci ben marche manam doxu ñaxtu buñ defon ties Sénégal gi prestasé won nañ fa mu nek marche bu am solo bañ fa jogé fukki fan ci wéru avril def nañ ñu ñaan sitting national manam togaay ñaxtu 10h ba 13h ak respect des exigences service minimum tamit Sénégal gi yépp bokkon nañ ci mbir momulé li ci dess nak moy alchemist lañu bëggoon dem grève al deegal talata wante comme que layen yi suñu mbokk layen yoy dañuy célébrer appel l'imam mardi a dakh nañ ko ba alal ba ci top fukki fan ak juroom ñet dañ def urgence ak service minimum li ci top nak moy benen grève bu ñu deugmal talata bi ci topat ak alarba ñaar fukki fan ak ñent ak ñaar fukki fan ak juroom ci wër avril buñ ko defé tamit gouvernement bi sotul li ñu wax wala manam woowuñu ci ay négociations yu sérieuses dinañu banque xabar yi manam dañ ko liggéey genn xabar yi ba nopi denc ko te xam nga xabar boko amulé do mëna justifier activité bi nga def manam doko mëna bërel doko mëna firndel té aussi bo amul fa xabar do mëna def benen stratégie manam do planifier dara lool nak bala ñu ag fofu gouvernement bi war na mëna tok dal di tédé njaaxanaay woñu li nga xamni moñu war suñu digënté mom mu def ko parce que ministère de la santé lañu nek nekkuñu ministère de la médecine dañu nek ministère de la santé et de l'action sociale surtout que suñu mbokk liggéey katu social bi buñu démé ci benen corps bu bess dañu ñak ba fanwéri juni ci sen salaire buñu intégrer nouveau corps donc motax ñu wara xolat régime indemnitaire bi pour que ñepp yam gouvernement bi tédé njaaxanaay lool muñ fi di won tay.